Émilien va à l'école, comme tous les matins. Du métier de son père, il parle à ses copains. Devenir agriculteur, c'est ce qu'il voudrait faire. Mais eux rigolent de lui et lui font la misère. Mais lui, il comprend pas, c'est un si beau métier. De se faire traiter pour ça, ils ont vraiment rien pigé. Métier d'agriculteur n'a rien d'être arriéré. Mais pour leur expliquer, c'est vachement compliqué. Il aurait dû leur expliquer. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit après le battage, pour les chômages, c'est pour la prochaine fois. Thierry, en l'apprenant, se met à raconter. Tout mon métier, je vais leur expliquer. Avec une chaîne YouTube, je vais montrer ma passion. Même si c'est pas facile, je me mets à l'expression. Il y a tellement de sujets à traiter dans ce beau métier. Cultivateur, maraîcher, éleveur, céréalier. Dans mon activité, y a jamais de routine. Quoi de plus sympa que de faire ses propres films. Mais je vais leur expliquer. Et j'ai raison de le faire, crois-moi. Je vais leur expliquer ce qu'est le butage. Et pour l'arrachage, c'est pour la prochaine fois. Et je vais leur expliquer ce qu'est l'ensilage, crois-moi. Et pour le tassage et les fourrages, c'est pour la prochaine fois. Depuis, on est nombreux à tout vous expliquer. Gilles va vous montrer les SD dans son Loiret, David dans son tracteur, vous n'aurez jamais peur. Et pour parler du beurre, il y a Etienne Agri YouTuber. Avec Théo et Benji, les jeunes s'y sont mis aussi. Sur Twitter, il y a Rémi et manquez surtout pas Papy. Aucune excuse pour vous, on va tout vous montrer. Depuis votre canapé, vous pouvez nous rencontrer. Ils vont leur expliquer, ils ont raison de le faire, crois-moi. Ils vont leur dire ce qu'est le binage. Et pour le sarclage, c'est pour la prochaine fois. Et si t'es du métier et que tu veux l'expliquer, avec Facebook et Twitter, c'est pas très compliqué. Des ONG et autres vont te contrer. Écoute les pas, leur avis est tout tranché. À des gens intelligents, tu pourras raconter toute la complexité de notre très beau métier. Et pour Émilien, il a bien grandi. Je vous laisse deviner le métier qu'il a choisi. Il va s'installer. Il a raison de le faire, crois-moi. On a tous dit après le battage, pour les chômages, c'est pour la prochaine fois. On a tous dit après le fromage, après le paillage, après le parage, après le raclage, après le fauchage, après le fanage, après l'endainage, après le pressage. Faut leur expliquer, il faut le faire, crois-moi. On a tous dit après le fermage, après le package, c'est pour la prochaine fois. Il faut leur expliquer, il faut le faire, crois-moi. On a tous dit après le battage, après le pressage, c'est pour la prochaine fois. Si tu veux comprendre, il faut nous regarder. Si tu veux apprendre, il faut t'abonner sur la petite cloche. Il faut aller cliquer, oui, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée.